Le voilà Pedro the Great. Un jeune étalon qui aura ses premiers 2 ans en 2017. Il est né en 2010, né aux États-Unis. Il a couru en Irlande, d'Allemagne vers l'Irlande il n'y a qu'un pas. Tout à l'heure, on avait un étalon qui avait fait carrière encore en Allemagne. Voilà, un étalon qui a fait carrière en Irlande. Il était entraîné par Aidan O'Brien, donc pour l'équipe de Coolmore, qui l'avait acheté Yearling, je crois bien. Ce Pedro the Great, il toit 1m65, il fait la monte au haras de la N9 à 3000 euros la CI, hors taxe poulain vivant, bien sûr. C'est le frère de Footsteps in the Sand, qui est l'un des meilleurs étalons européens. C'est l'oncle de Power, l'oncle de Curvail, qui fut gagnante l'an dernier, ou il y a 2 ans, du groupe 1 des EP Taylor Stakes. Power est lui aussi gagnant de groupe 1. Les Irish 2000 Guinée ainsi que les National Stakes. National Stakes est une épreuve de groupe 1 pour 2 ans. Lui-même, Pedro the Great, avait gagné un groupe 1 à l'âge de 2 ans. Vous l'avez vu sans doute tout à l'heure sur la course référence, c'était les Phoenix Stakes. Les Phoenix Stakes se disputent au Cura et c'est le premier groupe 1 pour la jeune génération en Irlande et en Europe même. Et donc les Phoenix Stakes, autant vous dire, pour ne rien vous cacher, c'est une course extrêmement recherchée. Il a été accidenté malheureusement à 3 ans, ce Pedro the Great, en préparant les 2000 Guinées. Il a été vendu en partie au haras de la N9. Coolmore en a gardé une participation. Et ses premiers produits se sont donc vendus yearling l'an dernier pour une moyenne de 18 200 euros à Arcana et de 10 000 euros à Osarus. 1m61 pour Pedro the Great. Né en 2010, qui fait la monte au haras de la N9 à 3 000 euros. Là, ça y est.